Cette vidéo concerne le tirange. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Tirange est une commune française située dans le département français, département de la Haute-Loire, en région française, région Auvergne-Rhône-Alpes. Géographie. La commune se situe au du Velay aux portes de l'Auvergne, entre Retournac, Bas-en-Basset et Saint-Pal-de-Chalancon, à l'extrémité d'un plateau de 875 à 900 mètres d'altitude entre les vallées de l'Anse-Rivière-Anse à l'ouest et de l'Andrable à l'est. Histoire. La commune est mentionnée la première fois au XIe siècle. En 1789, elle faisait partie de la province du Forez, puis à la suite du découpage de la province en deux départements, elle fait partie de la Haute-Loire à partir du 4 mars 1790. On peut signaler un passé de Fogabelle du sel saunier assez important. En effet, en raison de la proximité des limites de province, des habitants vendaient ce précieux sel sans payer la gabelle du sel gabelle. Les seigneurs des lieux. Le village était autrefois l'apanage de la famille de Gaillardon. Ceci est la liste des derniers seigneurs: Raymond de Gaillardon de Grésol 1635-1687, capitaine au régiment lyonnais. Laurent de Gaillardon de Grésol 1670-1728, capitaine au régiment lyonnais. Laurent Charles de Gaillardon, marquis de Fenoyeux 1696-1783, capitaine au régiment de Tallard. Laurent François de Gaillardon, marquis de Fenoyeux 1730-1785, maréchal de camp des gardes françaises, chevalier de Saint-Louis. Laurent Charles-Marie de Gaillardon, marquis de Fenoyeux 1764-1803, officier des gardes françaises, puis capitaine de la garde nationale. Instigateur d'un réseau royaliste pendant la Révolution, il utilisa ses nombreuses amitiés dans les milieux révolutionnaires pour placer Gomin comme gardien du dauphin dans la tour du Temple, prison du Temple. Blason de la famille de Gaillardon. Fichier. Blason de la famille de Gaillardon de Grésol. Blasonnement d'Azro. Lion d'argent armé l'an passé et couronné de gueule accompagné de trois besans d'orques. Af. Politique et administration. Démographie. Monument. Fil. Tirange. La vue sur les gorges de l'Anse et le château de Chalancon. Tube. Tirange. Vue sur les gorges de l'Anse. Rivière. Anse et le château de Chalancon. Haute-Loire. Chalancon. Un menhir préhistorique se trouve dans le hameau des Arnauds et fut christianisé. On trouve plusieurs chapelles dans les hameaux à Pravel, à Boissière, ainsi que les chapelles Saint-Martin, Saint-Martin et Saint-Jean-François Régis. Le remarquable pont du diable, voir ci-dessous. La légende est jetée depuis le S12 au-dessus de la vallée de l'Anse, rivière Anse, pour rejoindre le château de Chalancon. Environ 700 m en amont se trouve un second pont, une seule arche datant du S15. La légende du pont du diable. Le château visitable de Chalancon, Haute-Loire, Chalancon, dans la commune voisine de Saint-André de Chalancon, date du XIe siècle et fut le siège de la noblesse locale, voire la rubrique les seigneurs des lieux. On y accède par le pont du diable Chalancon, pont du diable qui, selon la légende, était ruiné par les crues incessantes de l'Anse, rivière Anse. Le seigneur signe donc un pacte avec le diable pour empêcher une nouvelle destruction de l'édifice. Satan déclare que la première personne qui passera le pont fera don par ce biais de son âme. Le seigneur souhaite se sacrifier, mais quand il avance, son chien le précède et sauve ainsi son maître. Le diable, dit en furieux, jette une énorme pierre au pied du pont que l'on voit encore aujourd'hui. Commerce. Structure. Outre ces monuments historiques, pont du diable, cour du château, croix en pierre du S16 posée à près du village Tirange, compte quelques commerces: épicerie, blanchisserie, bar, restaurant, boulangerie, fromagerie du Gac, Loubecou. Le monument aux morts se trouve sur la place de la mairie, sur laquelle donne également une église reconstruite vers 1930, mais avec des éléments antérieurs à la Révolution française. Révolution. Tirange possède aussi une école, une bibliothèque et une salle des fêtes et dispose d'un terrain de football Jean Ollier sur la route de Bas et de jeu de boules Jean Barjon immédiatement à côté du terrain de tennis sur la route de Retournac. Hameau. Image photo. Il y a trois tubes. Vue d'ensemble du hameau de Châle. Vue d'ensemble du hameau de Châle. La commune compte de nombreux hameaux: le Bec, Châle, Pravel, les Arnauds, Gaillard, Boissière, la Grange du Fieux, le Galil, les Rois, Cerceus. Personnalité liée à la commune. Laurent Charles-Marie de Gaillardon, marquis de Fenoyeux, dernier seigneur de Tirange. Officier aux gardes françaises, il passa dans la garde nationale à la Révolution. De nombreux historiens, dont Beauchesne, attestent sa participation active à un réseau d'agents secrets royalistes. Il se désintéresse des événements parisiens et se retire sur ses terres en 1795 à la mort du dauphin. Il participa encore à la campagne d'Italie comme inspecteur, puis comme secrétaire d'état-major de son ami le général de la Poille. Il meurt prématurément en 1803 au Sainte-Foy-l'Argentière, château de Fenoy-Rhône. Festivité. Une vogue fête vogue anime le village l'avant-dernier week-end de juillet.
Un défilé de chars fleuris est organisé le dimanche après-midi mettant en compétition le bourg et les hameaux. De plus, le Téléthon est l'occasion pour chacun de montrer ses performances et ses talents. L'Ultra Trail organisé le premier week-end de mai permet aux champions de se préparer pour le Tour du Mont Blanc sur un parcours exceptionnel en dénivelé. Voir aussi commune de la Haute-Loire, notre référence source André Pose entre Anse et Andrable, lien externe recensement Anse Foursart reçu l'action. Zones Archfield, code zone 43246, com-Tirange sur le site de l'Anse catégorie commune de la Haute-Loire-Tirange.